C'était le 3 juillet 2018. Des policiers veulent contrôler l'identité d'un conducteur. Un CRS fait usage de son arme. Touché à la carotide, Aboubacar Fofana, 22 ans, meurt presque sur le coup. Deux ans après, le policier vient seulement d'être entendu pour la toute première fois par le juge d'instruction. La recherche de la vérité est une chose compliquée, elle l'est toujours, mais dans un contexte de violence policière, c'est peut-être encore plus compliqué. Et dans un contexte où on ne saisit pas les bribes de vérité au moment où on est le plus près de l'action, c'est vrai aussi peut-être qu'on prend un risque. Au lendemain des faits, le CRS avait parlé de légitime défense, puis s'était rétracté en évoquant un tir accidentel. Deux ans après, il a été interrogé sur le fameux contrôle d'identité. Il a expliqué que le contrôle s'est bien passé, s'est bien déroulé, que entre guillemets, mon frère entre guillemets, n'a pas été agressif, n'a pas été désobligeant. Il ne comprend toujours pas aujourd'hui, après deux ans, pourquoi entre guillemets, il a dégainé son arme et il a enlevé la vie de mon petit frère. Dimanche, un pique-nique permettra au quartier d'honorer la mémoire du jeune homme. Face à l'endroit du tir mortel, une plaque a été installée l'an dernier. C'est vraiment important de ne pas oublier et que ça reste dans les mémoires et qu'on se rappelle qu'un jeune de 22 ans, c'est 22 ans quand même, 22 ans, c'est on est dans le début de sa vie normalement, et a été abattu comme ça pour un simple contrôle en fait. Craignant que cela ne soit interprété comme une tentative de pression sur le juge d'instruction, la famille d'Aboubacar Fofana ne s'est pas associée aux récentes manifestations contre les violences policières. Une nouvelle audition du CRS doit avoir lieu au mois de septembre.